Allez, salut tout le monde, c'est Dark14. Aujourd'hui, on va montrer une vidéo sur une porte à code assez compacte, comme vous pouvez le voir. Voilà, c'est une toute petite porte à code, toute simple, qui est faite pour Xbox et pour PC, bien sûr, comme vous pouvez le voir. Donc, vous allez voir que le code, c'est... Hop, ça, et voilà. Et vous avez votre lit. Enfin, voilà. Et par exemple, si on fait le bon code et qu'on se trompe, hein, voilà, ou même vous pouvez tout essayer, il y a plusieurs façons, vous pouvez faire ça sur plein de leviers, assez loin, voilà. Donc on va passer directement au tutoriel, voilà. Donc derrière les leviers, c'est plutôt simple, vous mettez des torches partout, sauf là où vous voulez abaisser. Donc on va abaisser, par exemple, on va changer le code pour faire ça. Voilà, donc en fait, on veut mettre, hop, vous faites une lignée et vous cassez celui-là. Ensuite, vous vous relongez de deux, hop, comme ceci. Et ici, oula, je suis parti un peu loin. Ici, vous allez mettre répéteur. Vous mettez que des répéteurs. Ensuite, sur les côtés, il y a les torches. Sur le répéteur des torches, vous mettez un tick de plus. Pour que ça soit égaux. Donc ensuite, vous mettez une deuxième plateforme comme ceci et une autre par dessus. Voilà, normalement ça doit ressembler comme ça. Par dessus, vous mettez des torches partout et ensuite vous mettez la redstone partout. Voilà. Ensuite, c'est simple, on veut accéder à cet endroit. Donc choisissons qu'il y a un chemin ou n'importe quoi. Vous pouvez faire avancer là, n'importe où. Donc nous on va le faire avancer là. On s'en fout du chemin pour l'instant. C'est juste pour vous montrer. Ok, ensuite vous rejoignez directement ici. Et voilà. Donc on va tester. Notre code, c'est les torches qui sont éteintes. Allumées, je veux dire, excusez-moi. Donc il faut toutes les éteindre pour que ça fonctionne. Hop, et voilà. Et par contre si on a allumé et que même on a mis le bon code, hop, ça marche pas. Parce que tant que la redstone est allumée, cette torche sera éteinte et donc ne pourra pas alimenter cette porte, il pourra pas s'ouvrir. Donc voilà. Mais déjà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on va se dire à la prochaine. Allez, ciao les amis.